Unicorn, ici Unicorn, ici aujourd'hui on se retrouve sur Star Stable Online. Cette fois-ci on va chasser Spirit parce que comme vous le savez peut-être, Spirit est arrivé à Jordik. Et à toutes les heures, entre 8h et 21h, il apparaît à des endroits différents, il faut qu'on le cherche. Une fois qu'on l'a trouvé, il faut qu'on fasse une quête avec lui et ça augmente notre réputation avec lui. Et une fois qu'on est admiré avec lui, on peut l'acheter. Et là je suis à ça d'être admiré avec lui. Du coup on va faire la dernière quête, j'espère que c'est la dernière. La dernière quête qui me reste avec lui, puis on va aller l'acheter. Du coup, bah, là actuellement, je suis à Morland parce que là actuellement, il est à Morland. Du coup, on va aller le chercher. Voilà, je suis avec mon petit Anakin, avec Bacon qui nous tient compagnie. Voilà, et ça c'est pratique parce que les petites feuilles qui s'envolent comme ça, bah, ça nous montre où est-ce qu'il est. Ah bah voilà. Ah merde, je te suis passé dedans. Spirit, Spiritus. Je le trouve trop beau. C'est un cheval avec des sourcils. C'est stylé. Ah. Ebromon, Spirit piétine le sol avec impatience comme pour t'indiquer de te dépêcher. Je me demande si ce petit bébé lapin a été séparé de sa mère. Je suis sûre que Spirit veut que je l'aide à rentrer chez lui. Oh, j'aime pas cette quête. J'aime pas la quête avec le bébé lapin, c'est chiant. Ça va, il est facile à trouver, mais c'est chiant quand même. Je sais pas, j'aime pas la quête avec le bébé lapin. Je sais, je fais ma difficile. Alors, on va voir. Ok, je vois où c'est bon. Je vois où c'est, je visualise la situation. Pardon, pardon les gens, mais je suis en vidéo, j'ai pas le temps, désolé. Bref, du coup, on va chercher le petit bébé lapin qui est là. Merde. Ah ! Direction ! Bordel ! Pardon. Dès que je suis à Morland, mon PC, il lag. Mais d'une lourdeur. C'est injouable. Ça se transmet pas forcément dans la vidéo. Bon, par contre, si tu me suis comme ça pendant toute la vidéo, je suis désolée, mais je vais te bloquer parce que j'aime pas les gens qui me suivent partout. Je te débloquerai après, désolée. Bref, je disais, du coup, quand je suis à Morland, je lag. Ça se retransmet pas forcément dans la vidéo. Mais je lag, mais c'est horrible comment je lag. Genre c'est limite injouable. Du coup la direction, c'est plutôt ça. Spirit semble heureux de tes efforts, beau travail. Spirit et toi êtes devenu ami. La prochaine fois que Spirit apparaîtra, j'ai envie qu'il aura de nouvelles quêtes pour toi. Félicitations, tu as atteint le niveau de réputation le plus élevé avec Spirit. À Fort Pinta, tu peux acheter une pomme de Miradero que tu peux donner à Spirit. Fais-le, il deviendra ton cheval. Ouais, bon bah go à Fort Pinta. Faut que je pense à respirer. Alors ça, c'est un de mes plus gros défauts quand je fais des vidéos. C'est que je parle à un débit super rapide. Parce que je suis stressée. Parce que j'appréhende un peu le fait de parler devant une foule. Voilà. Là, je suis chez moi, je suis tranquille. Ça va, je devrais pas être trop stressée. Mais le fait de savoir qu'il y a 3000 personnes qui regardent mes vidéos après, ça, c'est déjà un peu plus stressant. Parce que je suis une personne qui est extrêmement réservée et timide. Voilà. Et du coup, je parle à un débit extrêmement rapide. Et j'ai oublié de respirer. Et c'est pour ça, au bout d'un moment, j'ai pas de l'air. Voilà. Bon, du coup, on va voir les petits fans de Spirit. Pour valider la quête. Et c'est bien, les quêtes avec Spirit, ça ramène de l'XP. Parce que voilà, encore une fois... non, c'est pas ça que je voulais. C'était ça, carnet de quête. Une fois niveau quête disponible, voilà. Tout ce que j'avais à faire, c'était la quête avec Spirit. C'est la dèche au niveau des quêtes. C'est ça, sortez-nous des quêtes au lieu de sortir des chevaux. J'ai payé pour jouer, pas pour payer encore plus pour acheter des chevaux. Voilà. Du coup, Tori. Je suis impressionnée. Je ne pense pas avoir déjà vu Spirit admirer quelqu'un autant. Aimerais-tu lui donner quelque chose en témoignage de ton amitié? J'ai une idée de ce que tu peux acheter. Dans notre magasin, nous avons un type de pomme spéciale qui ne pousse qu'à Miradero. Là devient Spirit. Ces pommes sont vraiment difficile à trouver si tu ne vis pas par là-bas. Si tu apportes une pomme à Spirit et que tu lui fais goûter pour lui rappeler ses origines, je parie qu'il adorera. Parle à nouveau à Tori. Oui, je veux le chapeau, je veux le chapal. Alors, mais avant que tu décides de lui donner quelque chose au nom Sally et moi souhaitons te faire un cadeau. Simplement parce que nous te trouvons très cool étant donné que tu as réussi à obtenir l'admiration de Spirit. Alors nous voulons te donner ceci. Ouais, j'ai reçu un cadeau. Bon, on va acheter la pomme, on retourne voir Spirit.
Alors, oh, ce que t'as pas des fesses. Tant pis, je veux un cheval avec des sourcils. J'ai toujours rêvé de posséder un cheval avec des sourcils. Ouais. Allez, fille avec des Starcoin. Il se fait mal. Et là, actuellement, au niveau shilling, je suis en train d'économiser pour m'acheter cette selle parce que je la trouve trop belle. Attendez, je vous la montre. Pousse un peu l'inventaire. Ah, cette selle-là, je la trouve trop belle. Je sais pas pourquoi je la trouve trop belle. Enfin, bref. Bon, du coup, on retourne en Noir Spirit. Du coup, oui. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, le chapeau. Fallait que je vous montre le chapeau. Ah, j'ai oublié tout. Donc, on se pose là, vite fait. Ah. Ça donne quoi, ce chapeau? Je pense qu'il est un peu grand, le chapeau. Ça lui donne un air de mademoiselle. Je sais pas, j'aime bien. Ça te va bien. Oui, j'aime bien. T'en penses quoi, t'as Anakin? Ouais, il aime bien aussi. Bon, du coup, on retourne voir Spirit. Oui, donc tout à l'heure, je parlais des quêtes avec SSO. Il y a un mois à peu près, on a eu des quêtes principales. Et d'ici que la vidéo sortira, sera... Il y a 2 mois, il y a 3 mois, il y a 6 mois, parce que je suis un peu lente à sortir ma vidéo en ce moment. Enfin bref. Il y a quelques temps, on a eu la suite des quêtes principales et apparemment, ça faisait 2 ans qu'ils attendaient pour la suite. Et j'espère qu'on va pas encore devoir attendre 2 ans pour avoir la suite encore plus que ça. Parce que ça va me saouler, parce que bon, je suis quand même venue là pour jouer, pas pour acheter des chevaux. Même s'ils sont très mignons. Alors, en échange, donne la pomme de Miradero à Spirit et témoigne de ton amitié. Il emménagera dans ton écurie. Oui. Oh, il est content. On dirait l'écoute de la musique. Could you be love to be love? Excusez-moi. On dirait l'écoute du Bob Marley, vous trouvez pas? J'espère que je chante assez mal pour que YouTube ne dise pas « Oh, vous avez de la musique sur laquelle vous n'avez pas les droits. » Donc j'espère vraiment que je chante assez mal pour qu'il ne s'est pas reconnu. À partir de maintenant, Spirit sera dans une écurie. Tu peux le monter et prendre soin de lui comme pour tous tes autres chevaux. Tu ne peux pas mettre d'équipement pour cheval sur Spirit. Ah, tant pis, je mettrai de l'équipement pour chat. Très drôle. Voilà, je vais faire ma flémarde. Je suis à côté, je fais quand même une reco. Je suis une flémarde par excellence. Voilà. J'ai un brevet en flémarditude, quoi. Même un bac, même une licence, même un master, même un doctorat. Voilà, j'ai le doctorat en flémarditude. Et oui, merde, mon écurie, elle est pleine. Elle va être en pâture. Du coup, qu'est-ce que je fous en pâture pour le récupérer? Rebelle, tu veux bien aller faire un tour en petite pâture, s'il te plaît? Allez, en échange. Oui, trop mimi. Il est encore en train de sourire, contrairement à mes autres chevaux qui sont tous en train de crever parce que je fais maradine et je veux pas payer la palefrenière. C'est moi, les portes elles restent ouvertes maintenant. Ouais. Ah, les portes elles restent ouvertes, c'est nouveau ça. C'est nouveau ça que les portes elles restent ouvertes. Je suis perplexe. J'aime bien, mais je suis perplexe. Du coup, je peux la refermer? D'accord, je ne peux pas refermer la porte. Elle reste ouverte, mais je peux pas la refermer. Et si je fais comme ça? Non. Non, je sais pas, tu veux pas refaire... D'accord, très bien. Je sais pas, il veut pas refermer la porte, j'ai pas compris. Très bien. Du coup, je sais plus ce que je disais. Ah, c'est bon, on se referme. On se referme quand je suis sûr. C'est bien, ça. Du coup, je voulais dire quoi? Eh oui, à propos de que je fais maradine à pas vouloir payer la palefrenière. C'est pour la simple et bonne raison que je fais jamais de championnat, que j'essaie pas d'avoir des scores de ouf dans les courses non plus, et que je joue... grand maximum 1 à 2 fois par semaine. Du coup, ça me sert pas à grand chose d'avoir des chevaux dans le verre. Je m'en fous un peu. Du coup, j'économise mes Starcoin et voilà. Bref, du coup, on se retrouve dans le vieux paddock des dieuses pour un peu faire une analyse de ce magnifique cheval. Parce que oui, je le trouve beau gosse. Pour un peu le regarder en détail, etc. Et ici, au moins, on est tranquille. Il n'y a jamais personne. Bref, du coup, bah c'est bien, il broute, comme tous les Mustangs à peu près. Voilà. Je trouve qu'il est un peu plus fin que nos autres Mustangs. Genre, il est plus fin dans ses traits. Sur SSO, ils ont changé quelque chose au niveau des animations du cavalier. Donc quand le cavalier, il n'y a pas d'équipement sur le cheval, il pose sa main comme ça sur la cuisse, comme à la cow-boy. Voilà. Par contre, en tant que cavalière qui a déjà fait des longues randonnées, personnellement, à ma...
Personnellement, je ne pose pas ma main comme ça sur la cuisse parce qu'au bout d'un moment, avec le mouvement du pas, ça frotte. Du coup, t'as mal à la cuisse et t'as mal à la main. Du coup, c'est bien sympa de pouvoir poser sa main, mais au bout d'un moment, c'est douloureux. Ou alors, je fais un peu ma chouchotte aussi, mais... Du coup, il me semble que Spirit ne peut pas ruer comme nos Mustangs. Mais il se cabre de manière extrêmement haute. Wouhou ! Par contre, ses pattes... Ses pattes, ça part un peu en spaghetti quand même. Hein. Aussi, autre chose que je peux faire remarquer, bon ça c'est sur tous les Mustangs, mais vu que Spirit on peut pas changer sa coiffure, ça va me faire chier. C'est que les crins, ils sont collés sur l'épaule. Bordel ! Il est super glu. Au niveau des traits, il n'y a pas spécialement de traits. Ah, si, en dessous des fesses. Parce que j'ai remarqué que sur certains chevaux, on voit où est-ce que la texture a été reliée. Genre mon Afinger, enfin Anakin, il a un gros trait là en dessous du ventre. On voit que ça a été relié. Et bah Spirit, il a un trait là au niveau des fesses. Voilà. Et sinon, j'en vois pas trop d'autres, donc c'est plutôt propre. Après, au niveau de la tête, la particularité de Spirit, c'est qu'il a des sourcils. Attendez, je vais me rapprocher d'un mur pour qu'on voit un peu ses sourcils. Voilà. Ah mais baisse pas ta tête du coup! Je me rapproche exprès pour voir ses sourcils et qu'est-ce qu'il fait? Sous-marin. Voilà. Des jolis petits yeux marrons. Et des dents aussi. C'est bien d'avoir des dents pour manger, c'est pratique. Ah, non, j'aime bien ses sourcils, j'adore ses sourcils. Ça lui donne un air, je sais pas, de beau gosse. À partir sur les allures. Du coup, le pas. C'est un pas sympa. Pas sympa, voilà, très drôle. Moi j'aime bien, c'est tranquille comme pas. Tu peux trotter aussi. Oh, sympa le trou. Je pense qu'il a à peu près les mêmes allures que le Mustang normal. Mais là, actuellement, j'ai pas trop la comparaison en tête parce que ça fait un petit moment que je sors pas mis le Mustang. Et SSE, s'il vous plaît! Vu que vous rajoutez des nouvelles animations là en ce moment, arrêtez de faire que le cavalier trotte en mode debout assis alors qu'il a cru. Encore sans les étriers, c'est faisable, mais à cru, c'est vraiment galère et surtout, tu fais pas ça à long terme. Essayez de synchroniser aussi le mouvement debout assis avec l'allure du cheval parce que c'est totalement random. Il suit pas tellement le temps. Enfin bref. Du coup, bon. Petit trot. Petit galop, oui. Ouais, bon, c'est plus ou moins les allures du Mustang, hein. Rien de nouveau. À part que du coup, il est un peu plus fin que les Mumus. Surtout au niveau de la tête. Il me semble. Ce qui est bien. Avec ses oreilles. C'est que. Il a du cartilage dans les oreilles. Ça, c'est un truc que je reproche à les Afinger parce que les Afinger, ils ont encore les oreilles qui. Partent en steak. Il est raide au niveau des oreilles, ça c'est bien. Et en fonction de l'allure à laquelle je vais, là il met les oreilles en avant, là il les met un peu en arrière parce que ça va plus vite. Je sais pas si avec les autres Mustangs ça fait ça aussi, j'ai pas le truc en tête vu que ça fait longtemps que je les sors plus. Et au galop rapide, wouhou! Et le frein d'urgence. Ouais, bon, comme partout quoi. Au niveau du saut, ça donne quoi? Ouais, ça donne le saut du Mumu, je crois. Rien de nouveau non plus. J'aime pas tellement cette animation de saut. Je préfère celle de la Flinger. Il est un peu trop raide au niveau du dos à mon goût. Pas, j'aime pas trop. Du coup, le cabré normal. Ouais. Cabré normal, quoi. On va se chercher un petit beau fond pour se laisser. Parfait, c'est très beau là, c'est très esthétique. Allez, on vire un peu ça, voilà, c'est beau, c'est propre. Du coup, avant de vous quitter, il fallait juste que je vous dise que le bac, c'est dans pas longtemps, genre dans moins d'un mois. Moins d'un mois. Oula, j'ai du mal à le dire. Et que du coup, c'est pour ça que je suis pas du tout, presque pas active. Ça tend plutôt vers le pas du tout. Parce que bon, le bac, c'est quand même plutôt très important. Et que j'aimerais bien l'avoir pour éviter de redoubler et de devoir me taper une année terminale parce que c'est plutôt chiant. Et du coup, bah je bosse. Mais promis, je reviens après le bac. Promis.
je vous fais des vidéos après le bac promis. Du coup, mon petit licorne, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, voire même vous abonner pour ne rater aucune de mes vidéos. Gros bisous, à de prochaines aventures.